Bonjour tout le monde. Donc voilà pour la vidéo aujourd'hui faite par la demande de plusieurs personnes. La vidéo que je vais faire aujourd'hui est sur le morceau Fakateretere de Gabilou. Donc ce morceau est un morceau qui se joue en roula, qui est assez rapide, se joue en la. Donc nous avons un la, nous aurons un ré. Nous aurons un mi ici. Et pour ceux qui savent aussi le faire, nous aurons ici un mi septième. Donc voilà, donc le positionnement ici sur la première corde, première barrette, deuxième corde, deuxième barrette, enfin deuxième case si vous voulez, et dernière corde, case 2. Ok? Donc, pour le La, ici, nous sommes sur la corde de Sol, deuxième case, la corde de Do, première case. Nous avons un La. Pour le Ré, vous barrez l'ensemble des cordes dans la case 2. Pour le Mi, l'ensemble des cordes dans la case 4. Okay. Le mi septième, on reprend ici. Corde de sol, première case. Corde de do, deuxième case. Corde de mi. Corde de la, ici, la dernière là. Deuxième case. Pour le rythme, ce sera un houla classique. Donc, bas haut, bas haut, bas bas bas. Ok? Moi je préconise le bas haut, bas haut, bas haut bas. Donc ça donnerait. Ok? Et moi je demande haut, d'aller au plus simple, ce serait. Ok? Bas haut, bas haut, bas haut, bas haut, bas. Si vous êtes prêts, nous allons pouvoir commencer. La deuxième partie du morceau, il va monter en la dièse. Donc là, nous allons passer au refrain. Donc, dans le refrain, il y a une note en plus. Qui est le Fa dièse mineur. Cette note-là. Ok, vous avez votre Mi mineur ici. Fa. Fa dièse mineur. En haut. Quand vous allez faire votre La, votre annulaire va venir se positionner sur la corde ici de mi, donc la troisième corde, deuxième case. Ok, donc ça va faire wa peke oterani. Ok, nous sommes en la, fa dièse mineur, kirunga re itokukaina mi. Ok.